Yo les gens, c'est Zarko, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare pour le 10e épisode de Zarko 79 vous parle d'eux. Et aujourd'hui on va prendre un petit sujet, en fait c'est les 3 Zarko 79 qui vont suivre pour l'instant vont être des épisodes qui vont vraiment être pas importants. Mais ils vont se suivre parce qu'ils ont un peu une histoire. Donc c'est le premier épisode aujourd'hui, ça va être... Enfin, le 10e épisode, ça va être... Quel a été votre Call of Duty préféré? Le suivant, ça sera... quel serait pour vous le meilleur... Comment devrait-on réaliser un Call of Duty? Donc à quoi devrait ressembler un vrai Call of Duty selon vous? Votre Call of Duty parfait, quoi. Et ensuite, ça va être... qu'imaginez-vous pour Call of Duty 2015? Voilà. Mais on n'est pas encore aux 2 semaines suivantes. On est seulement à cet épisode numéro 10, voilà. Donc comme je vous dis, pour cet épisode numéro 10, j'ai choisi quel est votre Call of Duty préféré. Et je vais un peu donner mon opinion là-dessus. Donc il faut savoir qu'il y a quand même eu beaucoup de Call of Duty qui sont sortis. Je vous rappelle que mon tout premier épisode de Zarko 79 vous parle d'eux, c'était sur l'histoire de Call of Duty. Donc voilà, j'avais cité tous les Call of Duty qui étaient sortis, comment ça s'était passé, voilà. Match à mort par équipe. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo pour ceux qui ne savent Vous pas tous avez les Call of Duty qu'il y a. d'attaquer. Au passage, comme d'habitude, je suis en live. Hein, même si la semaine passée, je crois que j'étais plus en live. Je sais plus si la semaine passée, j'étais en live ou pas. Bref, je suis en live et j'ai décidé de prendre le DLC Havoc hein, pour faire du game, pour faire de la game dessus. Je sais pas, j'avais envie de prendre ce petit DLC là. Enfin, ce petit map là pour changer un petit peu. Donc, en ce qui concerne le sujet de la vidéo. Quel est mon Call of Duty préféré? Donc il faut savoir que avec la team, donc avec ma team, big up à vous tous d'ailleurs, on a joué sur la plupart des, enfin même sur tous les Call of Duty qui étaient sortis en multijoueur. Moi j'ai joué à tous les Call of Duty sauf le premier et le deuxième sur console. Mais sinon le 3 j'ai joué et tous les autres aussi, voilà. Mais attendez parce que j'ai vraiment pas un shoot de ouf encore comme d'habitude. D'ailleurs ça peut se ressentir. Et j'ai vraiment deux coups de cœur. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas, je ne dis pas parce que c'est mes coups de cœur que les autres ne valent rien du tout. C'est pas vrai du tout. J'ai mes deux coups de cœur. Donc mon premier coup de cœur, ça sera Black Ops, un jeu de Treyarch, s'il te plaît. Et mon deuxième, en y réfléchissant, mais vraiment en réfléchissant, putain, en réfléchissant très bien, j'ai du mal à jouer, j'ai du mal à parler en plus. Ça serait sérieux, ce serait vraiment très très difficile de les partager. Ça serait MW3 et BO2. Donc je serais plus pour mon petit MW3 quand même. Même si BO2 je me suis vraiment vraiment mais vraiment bien misé dessus. Mais MW3 ça a aussi été un gros coup de cœur malgré les petits défauts qu'il avait, la vie et tout ça. Mais sérieusement c'était aussi un bon coup de cœur. Mais sérieusement si je devrais choisir, ça fait 3 fois que je dis mais sérieusement. Mais le meilleur Call of Duty pour moi qui n'est jamais sorti, ce serait Black Ops 1 avec juste après BO2, MW3. Il y a aussi Code 4 que j'adorais, sérieusement, mais encore sérieusement une fois de plus. Mais j'ai pas réellement joué dessus, donc voilà, je suis juste Prestige 1. Je suis juste Prestige 1 sur Code 4, donc évidemment, je peux pas vous dire que j'ai geeké le jeu comme un porc, mais je me suis vraiment quand même bien amusé dessus, voilà. Donc pourquoi est-ce que Black Ops c'est mon Call of Duty préféré? Tout simplement déjà parce que le côté du jeu, donc c'est un jeu, enfin, on va pas dire vieillot, on va pas dire que BO1 est vieillot, putain, il meurt. On est déjà sur un Call of Duty assez classique, je vais vous dire. Bon, je suis d'accord avec un Discord Stick qui était pas mal, il y avait aussi des armes un peu, une arme un peu abusée, mais sinon ça va. On est vraiment sur un côté classique sur Black Ops, j'ai envie de vous dire. Des maps à l'ancienne, les années 70, guerre froide, donc guerre du Vietnam. Vraiment un Call of Duty qui en valait la peine. Donc il est sorti en 2010 hein. Ça va faire 5 ans qu'il est sorti. Ça va faire 5 ans qu'il est sorti, voilà. Donc déjà, oh putain, on avait les armes de base d'un Call of Duty hein. Je veux bien sûr parler des FAMAS AK-47 et tout ça. On était dans un jeu où il n'y avait pas de techniques bizarres, des jumps et des tactiques qui ne ressemblent à rien. On était vraiment sur un jeu classique, voilà. Donc ça c'était vraiment ce que j'adorais sur Black Ops. Alors en plus il y avait des maps mythiques hein, je vais pas les citer toutes, mais Firing Range, Summit, Nuketown, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre, Array, Grid, tous ces maps là, les DLC aussi qui étaient pas mal. Merci Jérémy. Les DLC aussi qui étaient pas mal, donc je suis en compagnie de Blackbird et ça, vous les entendez pas évidemment. Mais il va nous faire un petit jeu de mots pourri, on va le dire un petit peu, comme ça il aura sa petite heure de gloire. J'ai dit la map arrêt, mais lui m'a répondu station, arrestation. Voilà.
Donc, comme je vous disais, les DLC aussi étaient pas mal. Bon, il n'y avait pas d'armes dans les DLC à cette époque-là, mais on s'en sortait plutôt bien. On pouvait jouer avec tout type d'armes, mis à part le sniper. C'est vrai que là, pour les snipers, Black Ops, catastrophe. Hein, bah, c'est vrai. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a été négligé. Mais je m'en sors plutôt pas mal, le sniper sur Black Ops, hein, je trouve, c'est mon niveau. Donc comme je vous dis, les DLC, moi je les ai tous achetés, j'ai le Season Pass. En plus, on va pas citer le mode zombie, le mode zombie de Black Ops qui sérieusement est peut-être un des meilleurs, hein, TMTC, l'un des meilleurs. Évidemment sur Black Ops 2 c'était encore mieux, ça c'est la vérité, mais sur BO c'est vraiment pas mal du tout. Alors moi ce que j'ai remarqué c'est déjà sur Black Ops, il n'y avait pas des score streaks vraiment très 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 élevés, c'est peut-être l'inconvénient. Mais les score streaks quand on les avait, il fallait bouger son cul. Quand je dis ça, vous prenez l'exemple d'MW2, MW3, vous avez un missile Predator, par exemple à 5 kills, vous balancez, vous faites 2 kills, vous avez un arrière sur MW2. Sur Black Ops, ça se passe pas comme ça. Sur Black Ops, vous avez votre Cobra 7 kills. Vous voulez le Blackbird à 8. Votre Cobra peut faire 10 kills, vous l'aurez pas. C'est uniquement des kills à l'arme. Voilà. Donc, au passage, un petit ravitaillement. Oh, deux trucs élites dans le ravitaillement, on va pas dire non. Mais bon, voilà, on va un peu vendre. Donc un magnifique renfort, hein, un magnifique exosquelette dégueulasse en élite, voilà. Et une petite un petit 45 minutes de renfort de la mer, voilà. Donc comme moi je vous dis, sur Black Ops, il fallait vraiment mériter ces kills streak. 7 kills, vous aviez le Cobra. Le Cobra, il pouvait faire autant de kills que vous voulez, vous n'avez pas le kill streak suivant, il fallait uniquement faire des kills à l'arme. Le seul petit inconvénient, c'est qu'on n'avait pas. Des kills streaks très élevés, les chiens, le Heinz, c'était 11, bon voilà, c'était pas énorme non plus, mais bon, ça faisait plaisir de les débloquer. En plus, on faisait des massacres énormes, à 9 kills le Yui, 11 les chiens et 8 le Blackbird, donc vraiment des kills de ouf, voilà, des parties de ouf, voilà. En plus, on avait beaucoup de modes, la MME, la Domi, la Temo, le QG, tous des modes qui ont disparu, la démo, le QG, je sais pas, ils sont partis où. Bon voilà, je préfère encore vous dire, enfin, j'ai envie de dire, je préfère un W sans démo, j'imagine même pas le bordel que ça serait. Voilà. Alors ensuite, maintenant, il y a des gens qui, évidemment, les snipers Black Ops, c'était un peu un jeu qui, voilà, c'était pas le meilleur, hein. Les snipers, comme je l'ai dit, ils étaient pas forcément garnis. Vous avez le Dragunov et le Wa2000 en sniper, deux snipers qui voilà, qui étaient plutôt de la merde. En plus, il n'y avait pas de quickscope sur Black Ops. Vous débloquez le L96 ou L96, ouais, je préfère dire L96, le L96 niveau 27, et après débloquer seulement le PSG. Donc voilà. Le système de points dans Black Ops, c'était pas mal. J'allais dire, vous tuez un ennemi, vous avez 100 XP, ça faisait 10 points. Donc, il fallait acheter ses armes et tout, en ayant un certain niveau. Les armes de Black Ops aussi, qui ont vraiment été bien. L'AK-47, le Commando. Oh oui, le Commando, magnifique. La AUG. La KU. Comment on l'appelle? La MP5. La Stoner dans les sulfateuses. Vraiment des armes qui étaient vraiment pas mal. Le Space 12 qui tire en automatique, peut-être un petit truc un peu abusé des fois, mais une arme de ouf. Sérieusement, le Space 12 qui faisait très 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 mal. Pas un truc abusé. Maintenant, je vais pas vous dire non plus qu'avec Black Ops, c'est pas d'inconvénient. Il en a, comme tout Call of Duty, des AKUT rapides. Hein. Voilà. Nuketown 24-7, j'ai failli l'oublier dans les avantages, un truc de ouf. Il y avait vraiment moins d'XP comme un gros porc. Hein, il faut pas se mentir. Les inconvénients Black Ops, donc je vous ai déjà dit, beaucoup d'AKUT rapides, ça c'était vraiment un gros inconvénient. L'MP5 tir rapide aussi, merci Blackbird de m'avoir signalé, on en voyait énormément. Des maps comme la map Crysis, la map Crysis qui était dégueulasse, la map jungle aussi. Des petites maps des fois qui faisaient chier. Puis jungle, ouais, mais jungle au début c'était de la merde. Moi personnellement j'ai fait 3 prestiges sur y jouer. Parce que c'est vraiment une map de merde. Attendez. Wouh! Tiens, je m'en suis bien sorti ici, les 4. J'ai tué les 4 avec mon Air Tiger.
Donc l'air Tiger, il a plus 2, plus 1 en cadence, c'est pour ceux qui me demanderaient l'arme avec laquelle l'arme que j'utilise. Hop, il y en a un top. Oh oh. Attendez. Merde. La AK-12 Air Tiger. Donc voilà, moi sérieusement Black Ops pour moi c'était vraiment le meilleur Call of Duty. En plus, comme je l'ai dit, le zombie, vraiment des maps de ouf. Call of the Dead dans le deuxième DLC qui s'appelle Escalation, je crois. Je me souviens encore des DLC Black Ops, sérieusement Black Ops. Je sais bien que c'est qu'un rêve parce que bon, ça, si déjà on n'aura pas Black Ops 2, Black Ops faut pas rêver. Mais je veux dire, imaginez un Black Ops sur Next Gen, sérieusement. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Maintenant, moi, je me dis, attention, parce que je dis Black Ops si, Black Ops là, mais Black Ops a vraiment été dénigré au début, je trouve. Il n'y avait pas de gens dessus. Putain, je leur ai mis 2 balles au-delà. Il n'y avait pas de personne sur Black Ops. Je sais pas pourquoi. Au tout début du jeu, je parle, il n'y avait vraiment pas de monde, j'avais pas trop attiré. Ensuite, ça va, il y a beaucoup de gens qui sont revenus, mais je sais bien que, évidemment, avant c'était Modern 2. Aussi un bon jeu, malheureusement. Pourquoi est-ce que je dis pas que Modern 2 était mon jeu préféré? Déjà, il y a beaucoup d'hackers dessus. Black Ops, un peu moins. Mais bon, voilà, il y en a aussi. Vous pouvez plus jouer sur Black Ops maintenant. Mais Modern 2, pourquoi est-ce que je dis pas que c'est mon jeu préféré? Tout simplement à cause des conneries de lance-grenades, de dangers rapprochés, de tumper qu'on retrouve toujours à l'heure actuelle sur Call of Duty. Hein. On les avait enlevés pendant 2-3 ans et les ont remis. Un des gros défauts de Black Ops 1 aussi, je pense à ça, les barreaux d'honneur. Ça, c'était vraiment quelque chose de chiant. Barreau d'honneur, une connerie ambulante, ça, je sais pas pourquoi on a inventé ça. Attention, tous ceux qui jouent avec ça, ne m'en voulez pas, mais pour moi, c'est de la grosse merde, de la grosse fils de puterie, ta mère. Le barreau d'honneur, sérieusement, c'était dégueulasse. Hein, deuxième chance, pour ceux qui connaissent pas barreau d'honneur, hein. Ça va être MW2, barreau d'honneur, si je me souviens bien. On va faire MW2. Je m'en sors plutôt bien ici dans cette game, voilà. Même la campagne de Black Ops c'était pas mal du tout, je trouve. Enfin, maintenant c'est mon avis. Je vais pas non plus mettre Black Ops tout au haut du podium en disant y a pas d'inconvénient, comme je vous l'ai dit, c'est le meilleur Call of Duty de tous les temps, on vous baisse tous. Pas du tout. Moi je sais très bien qu'il y a des gens qui. En fait, il y a peut-être aussi un truc qui fait que Black Ops est mon Call of Duty préféré. Je sais pas si pour vous c'est pareil. J'ai commencé réellement à jouer à Call of Duty sur Black Ops. Je sais que j'ai commencé sur MW2. MW2 était mon premier Call of Duty, oui. Mais je suis arrivé vraiment à 2 semaines de la fin. Et puis Black Ops est sorti. Donc MW2, j'ai pas vraiment profité non plus. Mais Black Ops, j'ai joué en entier. J'ai vraiment passé tout mon prestige. J'étais une grosse merde, je connaissais pas le jeu. Je me faisais défoncer, ça me faisait pas chier, voilà. Parce que je kiffais. Je prenais du plaisir. Maintenant, à l'heure actuelle, sur des jeux comme AW, voilà, on se fait chier. Sur cette map Core, on se fait réellement chier. Je pense que je vais même devoir arrêter mon commentaire parce que regardez, je me dis, je vais pouvoir faire 2 petits MME. Je sais pas combien il me reste de temps, mais là, je fais du 24 d'ailleurs, enfin 26, je crois maintenant. Une bonne game, je faisais. Enfin, je fais toujours une bonne game, je crois. Mais on est sur une map, on se fait chier, il y a personne, on trouve personne, donc évidemment, voilà. Hein, c'est pas très amusant. Jouer sur une map, on se fait littéralement chier, on trouve personne. Mais voilà. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est de me dire quel est votre Call of Duty préféré par commentaire. Donc, parmi tous ceux qui sont en multijoueur, hein, vous pouvez me donner les raisons aussi, pourquoi c'est votre Call of Duty préféré. Donc je le rappelle, la semaine prochaine, il y aura... mais arrête de camper, toi! Il y aura la semaine prochaine un épisode sur comment imaginez-vous votre Call of Duty préféré. Voilà. Et ensuite, il y aura un épisode de comment imaginez-vous Call of Duty 2015. Fils de pute de campeur. Ça me fait déjà chier sur AW. Je crois que je vais plutôt arrêter maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis par commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à voir la chaîne de tous mes potes, enculés. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Petite information, demain il y aura du GTA normalement avec Blackbird pour la présentation du Savage pour ceux qui me suivent sur GTA, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé, c'était Zarko, je vous dis à la prochaine, bye 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 bye.